Ah, bonsoir, bonsoir à tous. Bon, j'ai un petit souci technique. Witcher 3 va plus se lancer quand je stream, c'est super. Donc voilà, c'est le fail du jour. Bien sûr, j'avais pas testé, je me suis dit ça marche parce que je l'ai testé, j'ai streamé la semaine dernière. Et vas-y, qui se lance plus, connard. Quoi, quel accent chantant, tu connais mon accent quand même, gros mal, depuis le temps que je stream. Bon. Bon, de quoi ça pourrait venir? Est-ce que ça viendrait? Est-ce que ça viendrait du Sweet FX? Besoin des jeux lance GOG. Bon, sinon on va stream autre chose, au pire. On va improviser. Bon bah salut à tous ceux qui sont là, Rada, Gromat, Adrien, je sais plus qui c'est que j'ai vu passer. Qui c'est qui était là? Qui c'était là? Elle coule bien sûr, Quishot, Billy Corgan, voilà. Bonsoir à tous, c'est le stream fail, je fais un stream à l'arrache. Et ça marche jamais, bien sûr. Bon, lui il est à jour, il me dit rien. Il se lance, vas-y, play, et il s'arrête de suite. Connard. Donc ça doit venir du Sweet FX. Mais comment on vire un Sweet FX en 30 secondes? C'est pas gagné. C'est qu'il a installé là mon truc. Ça commence super bien. C'est pas là-dedans. Ouais, non, je sais. Je sais, je sais. Est-ce que j'ai sauvegardé ça? Je dois l'avoir gardé. Oui, c'est très noir, vous avez vu les grottes de... Uninstall Sweet FX, vas-y. Donc normalement, il doit plus avoir de Sweet FX. Yes, save. Alors, vas-y, on retente. Allez, on y croit là, on y croit. Hop, 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 ça se lance. Oh, c'est parti. Il n'y aura pas de Sweet FX, mais c'est pas grave. Bon bah c'était bien Sweet FX, vous le saurez si vous rassemblez devant moi, si vous tra si vous installez streamez, ne et mettez pas de Sweet défiez FX sur Witcher 3, ça marche pas différents. sinon. Hop, on va continuer la partie. Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Geralt tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Bon, la Keramet, on va se laisser la faire. Kera, Ça serait bien si on pouvait la choper. Il y aura pas beaucoup de spoil parce que c'est le début du jeu. Bon, ça rame pas mal. C'est super avec le stream. Bon, on va faire avec. On va juste changer de quête. On va aller voir les dames de la forêt. Qui est niveau 6. Je suis niveau 6. Au lieu des affaires de famille, on va aller par là. Vous avez vu ma classe là avec ce petit costume très sexy. Alors, où c'est que je dois aller déjà? Donc là, contrairement au premier stream, là j'ai débloqué le monde complet. Donc là c'est grand, c'est vaste, il y a plein de points d'interrogation qu'on peut visiter. Merde. Faut que j'aille. Là. Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc il n'y a pas le choix, il n'y a pas de déplacement rapide à côté, donc on va y aller en canasson. Donc les dames de la forêt, hein, on espère qu'elles sont sexy. Hein. J'ai pas réussi à choper le premier stream et on va essayer pour le second.
Ah, je fais 100 mètres, j'ai déjà une putain de quête qui spawn là. Bon bah on va la déclencher. Halte là! En garde! Je vous dis! Qu'est-ce qu'il a lui? Grandes, ces bottes, non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je. Je suis Ronvite du Petit Marais. Tenu par serment... de m'habiller trois tailles au-dessus. T'honorer, demoiselle Myrtille. Fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Ah ouais, d'accord, tu es parti quoi. On se fait quoi? On se le fait là? Enfin, il a l'air chaud. À votre service. Finissons-en. Amène-toi. Ça va, t'as compris? Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais la prochaine fois... Allez, casse-toi. Retournez voir Damoiselle Myrtille et excusez-vous d'être un idiot. Vite. Avant que je vous vise et que je vous brise les os. Ouais, je suis repassé en VF. Reverrons. Parce que je sais pas, j'en avais marre de la VO. J'ai voulu tester la VF, ça passe, je m'en tape. Alors, on continue. Putain, par contre, c'est pas où. Faut passer par là déjà. Tac, 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 on arrive. Ouais, on va passer par là. On y va. Ouais, par contre, Groma, tu sais que ça lag, je sais pas trop. Enfin, j'ai pas des FPS super haut avec quand je stream avec ce jeu. Là, je dois être à 40 FPS, je vois, ça me tête de ça, je sais pas trop. Comme je stream et en même temps, j'ai double stream puisque je stream en 540 et j'enregistre en 720p pour le replay. Donc, ça fait un peu chuter les perfs. Bon allez, on va accélérer un peu. Il est quelle heure? Il est 2h46 du mat. Ou de l'après-midi, non? Non, c'est peut-être l'après-midi en fait, c'est juste que c'est gris. Non, ça doit être la nuit quand même, mais... c'est de la nuit qui est pas trop nuit. C'est un peu clair quand même comme nuit. Bonsoir Flagada. Bienvenue à toi dans ce stream. On arrive où? Voltiel. Moins vite. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va juste améliorer les épées. La meule. On affine tout ça. Hey forgeron, t'es au lit, c'est pas grave. Allez, réveille-toi. Oh, oh man. Arrête de pioncer là. Bon, ok. Tant pis. On va lui faire... ah, sa femme adore pas. Mais je veux... putain, je veux le bouquin. Non, il n'y a pas le bouquin. Bon, tant pis. Je voulais voir ce qu'il avait à vendre, c'est pas grave. On va faire le tour du village quand même. Un clébard. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va tout choper, ça va faire des quêtes en plus. On lit même pas, c'est pas grave. Allez, nouvelle quête. J'ai déjà un paquet de trucs quoi. Veuve joyeuse niveau 10. Ouais, cool shot, j'ai été voir le baron et il m'a envoyé chercher sa femme et sa fille et je suis parti à... j'ai arrêté, je suis parti plutôt sur les dames de la forêt là.
Bon, j'ai tendance à sauvegarder assez souvent, bah ça m'arrive de cracher. Je crois que j'ai chopé la gale. Bon. C'est quoi votre nom? Gérald. Oui, je sais me battre, allez hop. Je suis prêt. Combien mise? Allez, on va commencer, on va miser petit. Je suis prêt à me battre. Je sais pas s'ils sont forts ou pas. Bonne chance. Un adversaire. Ici et maintenant, sur le champ d'honneur, il va affronter le terrible Gérald. Le Gérard. C'est GG. Je peux vous parler avant le combat, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Je vois bien que vous êtes plus fort que moi. Je suis qu'un pauvre pêcheur. Sont vides. J'ai plus rien à pêcher. Et ici, il donne un sac de farine au gagnant. Soyez généreux, laissez-moi gagner. Ah, je sais pas. Va te faire foutre. Pas question que je perde exprès. Si vous voulez gagner, il va falloir me battre. Ah, moi, je suis comme ça, je suis un connard. Voilà. Sans surprise, le sorceleur se montrait trop coriace pour Coptou. Une dérouillée pareille, ça vous réchauffe le cœur. Pas mal, pas mal. Il vous reste encore à affronter Jonah, et ensuite l'enclume. À la croisée des chemins. Bonne chance, l'ami. Ferez-moi le fier quand les hommes du baron vous auront. Hey, Coptou. C'est pourquoi? Ah, je suis sympa quand même. Vous pouvez pas vous laisser gagner, mais je ne veux pas vous affamer. Tenez, prenez cette bourse. Merci, sorceleur. Je suis trop sympa. Qu'est-ce qu'elle a chouiné l'autre? Ah, il doit y avoir un marchand là. Présenter, lalala, ouais. Allez, qu'est-ce que t'as à vendre, toi? J'ai très volontiers un coup d'œil. T'as quoi, des cuisses de poulet, c'est quoi ça? Des racines? Frites berbéris, chèvrefeuille, champignons, ça va, je peux aller me les cuire moi-même. Bon vin. Ouais, sorceleur, c'est un sorcier, gros mat, c'est gros. Il chasse des gros monstres. En fait, c'est un mutant. C'est pas un vrai humain, c'est un mutant. Qui chasse des monstres. Ouais. Vous avez un problème? Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai même plus de toit sur la tête. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je suis la fille. Je suis pas maçon. Pendant des années, je me suis occupé du manoir familial avec mon frère. Que s'est-il passé? Un homme s'est présenté un jour. Bon, toi, je m'en fous un peu parce que je vais pas te baiser. Et nous sommes vite tombés fous amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes mariés et j'ai quitté le manoir. Mais ouais, vas-y, accélère. Des années plus tard, je suis revenu. Ouais, tu t'as envie que j'aille tuer les monstres dans ta baraque. Je peux vous débarrasser des monstres si vous voulez. Ah, vous êtes un sorceleur, n'est-ce pas? Allez. Sorceleur ou pas, la maison est à l'est. Pas très loin d'ici. Tenez, prenez cette clé. Elle ouvre le coffre où sont cachées toutes mes économies. Tuez tous les monstres. Et si vous trouvez le coffre, gardez tout. Ah oui. Mais que va-t-il vous rester? Un toit sur la tête. C'est tout ce qui me... Les services d'un sorceleur ne sont pas gratuits, Jules. Bon, encore des... Elle est où sa baraque, là, elle? C'est loin? Ah, c'est loin. Ouais, c'est trop loin. C'est trop loin. On va continuer la quête principale. On verra une autre fois. Parce que j'ai envie de me taper Keramet.
Et Kermès m'a dit tu reviens te me voir quand t'as fini la quête. Quand t'es allé dans les trucs, dans les marais. Donc on. Y a rien de plus dans le coin là, Valtifeuille, je sais pas trop quoi là. Merde. Y'a quoi non là, bon après. On va pas se faire les points d'interrogation, hein, sinon on va y passer la journée. Donc là, on va faire spawner le cheval. Voilà, il n'y avait rien et il spawn comme par magie. Hop. Petite sauvegarde rapide. Il y a quoi dans la baraque? On peut rentrer ou pas? Au galop, Ablette. Vas-y, on va essayer de rentrer dans la chaumière. Peut-être un truc, hein. La seule bête qui vit ici a choisi un drôle d'endroit pour cette. Non, mais je rentre dans une putain de baraque, il y a une quête qui arrive, quoi. La créature utilise des outils. Elle est donc intelligente. Ou au moins habile. Il y a trop de quêtes dans ce jeu. Quelqu'un a cuisiné. Bon, ça, c'est la vision de. De sorcier de Geralt, c'est comme Batman quoi, tu passes en mode il voit tout. Les crânes humains dans un cercle magique. Le monstre les utilise pour puiser des forces du site. Ouais, c'est la vision d'aigle, voilà, c'est pareil. Le nôtre, c'est plus le crâne. Elle utilise les crânes pour puiser l'énergie. Cela l'a rendu suffisamment sûre d'elle pour s'aventurer au village. Cool, mais je m'en fous. Je dois prendre les crânes pour l'obliger à retourner au cimetière. Je lui tomberai dessus là-bas. On verra plus tard. C'est quoi une fourbe veuve? Yézézé. Fourbe, ok, j'ai pas sa tête. On verra plus tard. On va voir les dames de la forêt plutôt. Droite, gauche, même plus où c'est. Ouais, c'est tout droit. Donc, faut prendre par là. Ils auraient pu mettre un GPS. Ah, oh, oh! Connard de cheval. Mais avance! Bah, puisqu'on est là, on va aller fouiller la baraque. Poisson séché, je m'en fous. Il y aura bien une quête. Il y a toujours une quête. Eau de vie, je prends couronne, je prends fil de fer, je m'en fous. Non, c'est pas une caisse, on s'en fout, y'a rien. Ah, bah une autre quête encore. Oh, tout doux, ma belle. Ah, Pactus, on t'aligne avec les autres Maccabées. Enculeur de chef. Oh, wow, wow, wow. Ok. Y'avait. Y'avait une quête et je sais pas pourquoi et il m'attaque. Mais ouais. Bon, tu me gonfles, toi. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez sur vous? Bon, lui, c'est bien fait découper, apparemment. Alors, il y avait une quête, et il n'y a plus de quête. Bon, on va récupérer des trucs. Je ne sais pas trop pourquoi.
T'as rien sur toi? Bon. Et l'eau passée ou le canasson? Attendez, je vais juste voir un truc. J'ai bien mis soleil étoilé, ok, ça régénère ma vie. Non, c'est pas ça. Oh, mais hey, te casse pas, oh! Oh! Putain, cheval, tu t'approches, il se barre. Plus vite. Oh putain, je sais pas ce que c'est le truc avec tout. Moins vite. On est presque arrivé là. Ok, on est presque arrivé, il y a plein de monstres dans la forêt. Pas trop ce que c'est là-bas. On va pas y rentrer. Le cheval va-t-il réussir à prendre le pont? Oh oui. Ok, on est arrivé. Là le marais. C'est ça les dames de la forêt? C'est mal barré. C'est super classe là, mais ça rame. Bon, parce que je stream, mais ça rame. Ma manette est en train de vibrer, donc il doit y avoir un truc pas loin. Effectivement. Si tu pouvais le regarder, ça m'arrangerait. Mais pourquoi tu déclenches pas là? Ok. Des noyeurs. Je me suis un peu amélioré depuis la dernière fois quand même. Bon, il m'emmerde pas. Faut que je trouve les moires, mais je sais même pas ce que c'est les moires. En fait, faut que je continue quoi, je suis le chemin. Sacré vent. Je sais pas pourquoi il me fait passer dans cette vue alors que bon, je suis le chemin pour l'instant. Oh, une caisse. La caisse, allez, je prends. Ouais, je me doutais bien que c'était bien les sorcières, les moires. Mais... Puisqu'il y a Kaira qui a expliqué que c'était les sorcières qu'on allait voir. Ah, ça doit être là. Bon, alors là, je le sens mal. On va sauvegarder avant. L'habitude est branlée. Le mouton. Le que pour le punir, l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc, lui en a fait du pâté. Rigole bien le que, remplis-toi le buffet. Allez, allez voir les sorcières, les gosses. T'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. Non, mais pas de spoiler là. Celui qui ira chercher du bois, c'est toi. Drôle de comptine. Portez, je vous connais pas. Que faites-vous dans les marais, les enfants? Tout seul. On n'est
pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Non, pas de pédophilie, Dorian. Tous. Gamin. Des orphelins. Vous saviez pas ça? Je cherche les sorcières du marais de Torsechi. C'est vous qui avez une tête de sorcière? Je t'emmerde. Sorcières du marais? Les moi? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Ouais, ouais. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Ouais, bien sûr. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. Bien dit. C'est vrai, d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Ah, y'en a qui ont tout compris, déjà. Il n'y a personne d'autre ici. Comment ça? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à six yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants. Vous êtes qui? Un bandit? Mais t'inquiète. Allez, c'est qui Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires, toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah, j'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. En sainte tape, t'es vieille maintenant, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de te baiser. Donc vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Ouais. Non. Allez. C'est ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur. Où sont-elles maintenant? Bon allez, la vieille, là. Parle. Je commence à en avoir marre. Je vous ai posé une question simple. Vous avez vu cette femme ou pas? N'ayez pas peur, les enfants. N'a pas peur, grand-mère. Il est en colère, mais il n'est pas méchant. Peut-être que Jeannot saurait. Je vais l'emmener voir Jeannot avant qu'il nous chie une pendule. Non, mais c'est pas vraiment sa fille. Je ne vais pas dire de gros mots. Rentre à la cabane et que ça saute. Je m'en vais te coller au poing. C'est sa fille adoptive, donc. Quand t'as vu, cessez d'effrayer les petits. Partez, du balai. Bon, ok. Faut aller dans la hutte. Allons dans la hutte. Allez, je vais par là d'abord. J'ai envie d'aller par là. Ah, putain, se fermer. Faut aller tuer la vieille pour choper la clé. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je t'emmerde. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Il est étranger. Il vole des enfants. T'es trop petit, ça m'intéresse pas. Dis-moi juste où je peux trouver Jeannot. Jeannot, il n'existe pas. Partez. Partez. Ah, bon, faut que j'éloigne la grand-mère. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je vais foutre le feu à sa baraque, la vieille, elle va comprendre. Bon, elle a des trucs, la vieille. Peau de cochon, m'en tape. Je prends. J'ai combien? 20 sur 60, ça va, j'ai de la place. Ça, je prends. Bon, allez, je prends le gui, ça merde, ça saute pas. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peste de loup, je m'en tape. Peau de cochon. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot?
Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Kramer fait du mal. Très bien, grand-mère. Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Oh merde. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aide. Oh, je sais pas que ça a foutre les gosses, quoi. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. Je suis là pour me taper les vieilles de la forêt et je suis à cache-cache, quoi. Facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3. 18, 19. Bon, allez, je suis en Witcher, quoi. Voilà. Attention. Je suis un putain de sorceleur et je joue à cache-cache, quoi. Ouais, j'ai juste sauvegarde. Ah merde, je peux pas sauvegarder. Bon, faut que je trouve les 4 gosses là. Ah, y'en a un qui est là. Allez hop. Merde, t'es où? Il est en haut, je peux pas grimper là. Eh Ziva, comment je grimpe moi? Sors de ta cachette, je te vois. Alors, un, allez. Allez, mioche. Allez, juste. Oh, qui sent les mioches? Pas que ça à foutre. Intérieur ou sont partis dans quel sens? Ah mais t'es là toi. Ah te voilà. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop d'action derrière donc par moment t'as plus d'action que ça quand même. Là tu tombes sur une quête pas de chance. Mais lui je suis déjà allé par là non? Ah, peut-être pas en fait. Ah, ah, mais t'es bloqué, gars. Faut que tu perdes du poids, Gérard. Te vois, sors de là. Il m'a trouvé. Allez, 3 là, il est où le dernier? On va se fermer. Par là. Plop, plop, plop. Ah, il est là. Ah. Ah, c'est bon. J'ai trouvé tout le monde. Oui, mais vous m'avez trouvé un dernier. Et on peut dire aux autres que je vous ai laissé me trouver. Ouais, allez. Aidez-moi les mioches. J'ai gagné. Pas que ça, fier. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Il fait toujours autant de vent ici. Hein. Pire qu'à Marseille. Le coin de Gérard. Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe. Grand-mère, viens vite.
Alors, il est où, Jeannot? J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Mais non. Où est grand-mère? Dans ton cul. Elle est occupée. Allez, crash. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Non, c'est un peu long, là, quand même. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Il y a des quêtes qui sont pas mal, mais là, avec les gosses... Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Mais oui, t'inquiète. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Ouais, t'as vu, Radha, il fait du vent même à l'intérieur, c'est énorme. Dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. Parce que Gérard utilise L'Oréal. Merci. T'as vu comme ça bouge bien là? Il a les cheveux propres, notre Gérard. Alors, c'est bon, il m'a dit où il était, le Jeannot. Bon, la sauvegarde. Allez, go. Ok, il y a des monstres. Allez. Ah merde. Raté. Hop 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 hop. Oula oula. Oh je me prends une branlée. Je me prends une branlée. On se recalme. Oula c'est quoi ça? C'est pas noyeur, ça, c'est beaucoup plus gros. Guenode aquatique. Hop, 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 hop. Ah, oh, viens là, la gonade. Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. T'as quoi, venin? Tant de gonade. C'est bon. Juste un petit tour rapide par l'inventaire parce qu'il y a un truc qui est super chiant dans ce jeu, c'est la durabilité des armes qui s'effritent en vitesse phénoménale. Et comme l'épée en argent j'en ai qu'une seule, autant les armes en acier j'en ai plusieurs. Attendez, celle-là elle a combien? 36-44, 43-53, ok. J'ai les paplards que je me fous, je vais juste lâcher les paplards. J'ai dit la gonade. Ah, quand même pas. Maintenant qu'elle est morte, je sauvegarde. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Ouais, ça sert à rien de lire les papiers, ça déclenche des quêtes et c'est bon, les quêtes c'est automatique. C'est des contrats, je m'en fous. Les papiers, certains sont utiles, mais après... Ah merde. D'autres noyeurs. Hop 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 hop. Ouh. Way.
Ah putain. Ils sont toxiques les marées ou quoi? Voilà. Je vais louper des bonnes quêtes si je lis pas les papiers. Mais normalement, de toute façon, ça déclenche automatiquement les quêtes si je prends les... Dès que je les prends, c'était des paplards qui étaient... Sur les panneaux d'affichage, et normalement, dès que tu les récupères, ça déclenche les quêtes associées. Je crois que les quêtes, le Gwent déjà je m'en tape. Et ça je crois que déjà je l'ai déjà eu, il me semble, cette quête. Je vais juste méditer. Une ourade. Donc là, il y a un alcaès qui a été utilisé pour régénérer toutes les potions que j'avais. Par exemple, les hirondelles, j'en avais plus qu'une sur 3. Donc en utilisant un alcaès, ça s'est rechargé à 3 sur 3. Pareil pour les grenades, enfin les bombes. Toutes les potions qu'on fabrique. Alors, c'est quoi qu'il faut trouver? Alors on continue, c'est par là, je sais pas du tout où on est là. Au milieu nulle part, ok. On continue dans les marais. Trace de pas. On suit les traces. Pas de monstre à proximité. Continue par là. Oh, une caverne mène à une tanière. Je vais jeter un œil. Jeannot. Je sais pas ce que c'est, mais Jeannot, il faut un peu la pétoche là, je crois. Oh, c'est Gollum femelle. N'aie pas peur. J'ai pas regardé le trailer. Mon précieux. Tu es un buka? Un lutin alors? Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Bon, Jeannot, est-ce que tu pèses? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être. Je peux t'aider. Ah non, il faut pas encore chercher des espèces d'herbes pour lui faire une potion, hein, Jeannot. Oh non! Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Mais pourquoi faut toujours aider tous les pecnos du coin, quoi? Ça peut pas être direct? Ok, bon, Jeannot, il a peur des monstres. On va se la jouer safe. Une couille n'est jamais très loin.
Mais putain, mais change pas de lock comme ça, quoi. Oula. Approche. Ah, zut. C'est bon, il est content le Jeannot. Reste près de moi. Ouais, je suis à la manette, Adam. Toujours à la manette, vu que le jeu s'y prête assez bien. Où est-ce qu'il nous amène, Jeannot? D'ici. Où est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a quelque chose sur la corniche. T'aidera à retrouver ta voix. On dirait Bernardo, là, dans Zorro. Tu veux que je grimpe, c'est ça? Ouais, ouais. Ok, tu veux que je grimpe, mais je grimpe gros. Ok, des harpies ou je sais pas trop quoi en haut là. Allez, allez, j'ai. Ah, je peux pas sauvegarder. Toujours pas sauvegardé, si. Bon, il va falloir se battre. Bon, ça, j'ai jamais combattu pour l'instant, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Ah. À terre. Ta gueule, le poulet. Ah merde, raté. Je sais pas comment il est le fob là. Allez, ta gueule. Ouais, l'arbalète, mais je suis une quiche à l'arbalète. L'arbalète et manette, ça fait... C'est pas terrible. J'y ai pensé, mais le temps que... Le temps que je vise à l'arbalète. Elle est où la troisième? Il n'y en avait pas trois que j'avais tué. Ah si. Mutagène bleu inférieur. Merde. Ah, pas ça. Donc j'ai plus 50, plus 50, plus 5%. Ouais. Non, c'est. Gardez. Ah si je lock, il n'y a pas besoin de viser. Ah bon, ok, je sais. Bon à savoir. Ouais, bouteille. Voilà, bon, j'espère qu'il va balancer le truc à Jeannot parce que pas que ça fait. Hein. Je suis là pour choper. Et là, on apprend que Jeannot est un alcoolique. Whisky, sale migondi. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Whisky, Jeannot est un alcoolique. Coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser
fini. Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, hey, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Allez, accouche. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Raciste. J'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Oh, allez, tu parles trop, là. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, ton moment préféré, c'est quand tu vas pisser, toi. Ah non, tu chier. Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendue. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. On retourne voir la vieille, là? Oh non, on peut pas me dire directement où sont les moires et je vais les buter, voilà, on n'en parle plus. Parce qu'à la fin, ça va se terminer comme ça, hein. Encore se rebattre. Voilà. Pas lui, l'autre, Lock. Oh putain, change le Lock. Aïe. Voilà. Hop, on récupère ça, ça peut toujours servir. Allez, Jeannot, continue. Non, pas ça. Non, c'est pas ça non plus. C'est ça. Je suis à 79%. Ouais, ça descend. Ça va, j'ai encore de la marge. Ah non, mais je kiffe. C'est pas mal. Hein. C'est juste que j'en ai marre de faire des allers-retours pour pas grand-chose. J'aime bien les quêtes un peu plus directes, quoi. Après, les combats sont fun et tout. Mais c'est pas le Game of the Year. Game of the Year, c'est GTA. Peut-être Metal Gear. Peut-être. Attendez, ça c'est de la fleur de bidon.
Il me semble qu'avec la fleur de bitin, il m'a manqué une parfaite pour faire de l'huile contre les négrophages. Voilà. Ça, c'est fait. Ça va me servir. Ouais, de l'huile contre les vampires, on va en faire aussi. Ça peut servir. Je n'ai pas encore croisé, mais... Et j'ai pas encore joué à Bloodborne. Il faudrait quand même que je termine Dark Souls un de ces jours. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix ? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Allez, je vais aller voir les moires. Pouvez-vous me conduire aux moires ? Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Allez. Il sera sage, grand-mère. Ah oui, je serai sage. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens ? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas ? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord, je vais l'aider. Suivez-moi. Enfin. C'est quoi ces textures de premier plan là ? Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste. Bah quoi ? Ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames. Bah pour l'instant, elles sont bien. Baisez, baisez, baisez. Grandissante dame à l'esprit tout puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme ? Bon, allez. Je cherche une fille aux cheveux santés, vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme une boule de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Mais non. Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuternier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruit la bête et nous serons reconnaissants. Allez, maintenant on nous a tué une bête, quoi. Oh là là. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuternier et t'en dira plus.
Et n'oublie pas de collecter notre dû, une fois la tâche accomplie. Cutérier. Notre servante va t'apporter la dague. Une dague ? Pourquoi faire ? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme ? Donne-lui la dague ! Quant à toi, toison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Mais ouais. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Bon, ok, faut qu'on se casse. Ouais, niveau 7. Il y a des trucs à voler. Brian, allez, ça sert. Y'a quoi en dessous? Qu'est-ce que tu caches, la vieille, là? Ouhou! Elle fait de la magie nord, la vieille. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Ouais, mais allez, grimpe! Allez, grimpe, Gérard! Putain, le mec il grimpe même pas. Vas-y, il va même pas pour grimper le rebord. Putain, saute. Ouf, voilà. Ah, le KS, ça sert. On ramasse, ça peut servir. On s'en tape. Allez, on va cutérier, ça promet. Ça envoie du rêve. Non. Bon, pour l'instant, t'as pas raté grand chose, Flagada. Alors, c'est au cutérier déjà. Ouais, bien sûr, je peux pas y aller à pied. Enfin, je peux pas y aller en automatique. Il faut que j'aille à pied. Sauvegarder la partie. Et je peux même pas appeler le putain de cheval là. Il vient pas. Ok. Faut que je sorte démarrer pour appeler le canasson. Ah non merde, je me suis trompé de touche. Allez, cours. Ah, des bandits. En plus, bah ouais, je suis parti tout droit pour Couturier, pas mal. Bon, on va se faire les bandits. Hein. Merde. Mais. Oula. Oh putain. Non, lui là. L'archer d'abord. Ah putain. Oh là là. Oh, je me fais violer. Pop. Putain, l'archer de merde.
Putain, mais ils sont costauds, les mecs. Putain de merde. Ah putain. Bon, il est où l'autre? Des locks. Ok, déjà. Ok, déjà j'ai eu l'autre. Merde, putain, mais casse-toi le canasson là! Je suis mal là, je suis mal là. Voilà, ça c'est fait. Ah, fou! Putain, je suis pas passé loin. Comme quoi, contre même contre des bandits à la con. Bon, on leur vendra l'épée. C'était chaud chaud. Ouais, le timing pour les contres est assez permissif, ouais. C'est clair. Mais j'ai mal géré certains coups, quoi. Y'a rien chopé, si y'en a. Putain. Ah putain, le bouton il apparaît. Allez, appara. Voilà. Brigandine Salmienne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une brigandine? Armure. Armure 47 plus 23. Ah ouais, c'est. Merde. C'est pas mal. J'avais une armure 24. Bon bah. C'est moche, mais on va la mettre. Hein. Pop, pop, pop. L'épée, je suis à combien? 43, 53, 30. Bon, ça c'est des épées de merde. On va essayer d'aller trouver un forgeron de toute façon. Juste sauvegarder. Du nerf, Hamlet. Ok, cutérier, me voilà.
Allez, range ça là. Faut pas faire fuir les paysans sinon. On va quand même commencer par aller là. Hop 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 hop, on prend tout. C'est lui les chevins. Charmant village. Ouais. Une vraie petite perle des marais. Si vous le dites. Toi bien par ici? Ouais. Diverses en ruines, bien sûr. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je savais pas que vous étiez un serviteur. Bien. Vous savez qui m'envoie. Ça simplifie les choses. Pardonnez-moi. J'ignorais que les dames de la forêt vous envoyaient. Elles vous aident souvent? La césure passée, tout homme leur appartient. Les dames sont sévères, mais elles sont justes. Ce sont des maîtresses exigeantes, et la vie est ainsi faite. Elles nous ont protégés des miasmes de mort. Elles ont ensemencé nos champs. Les autres villages ont souffert beaucoup plus que nous. Ici, on peut dire que... sentir pas trop mal. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Devait faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Bon, allez, c'est bon. J'y vais. Ouais, plus de détails, j'ai on sait jamais. Besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais... Oh, ok, vas-y. Un jour, t'as rien à dire. Des gars ont voulu abattre les arbres de la gueule. Le sol sous les herbes est... Ouais, blablabla. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tekla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elles vous envoient. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorcier. Vous allez au-devant d'un grave danger. Ok. C'est où? Ok, c'est par là-bas. Je voudrais juste faire réparer mes arbres. Ok, donc on veut pas aller à Valtiel avant d'aller là-bas. Cassia Bardak, pourquoi tu fais 1? Ah, pour le mouton? Cul un mouton! Killer, il est 20h30, j'espère qu'il est pas couché l'autre. Attends, il est où? Droite ou gauche? Il est derrière. Hello forgeron. D'arbres pour les messieurs, stylé élégant pour les dames. Ouais. Est-ce que vous savez fabriquer des armes de maître? Pour qui me prenez-vous? Pour Atori? Qui ça? Le maître armurier de Novigrad. Une légende du métier. Paraît qu'il a pris sa retraite à l'ordre. Personne ne peut faire ce que vous demandez. Tant pis. Montrez-moi vos articles. Alors, je peux essayer de lui refourguer les épées que j'ai chopées.
ça va sur un peu de blé. Elle est combien? Celle-là, elle a 38-46, mais je peux l'augmenter, je crois que c'est chopé dans mon au dernier donjon. 38-40-36-44. 37-45-43-53. Ça c'est du niveau 2. En fait ça vaut rien quoi. Bon ça, ça je peux le revendre, il me sert plus à rien. Ça je la revends et celle-là bah, plus 36 perforants. Ouais, je la revends aussi, j'en garde 2, ça suffira. Il a quoi à vendre? Ah ouais, ouais! C'est pas mal ça! Ouais, mais c'est cher. C'est cher, mais c'est pas mal. Combien genre de jeu j'ai? Je ne sais pas, Flagada. Je te lirai dans 5 minutes, j'irai voir. Épée en argent. Fallait prendre l'armure témarienne à blanche fleur. Tiens, je savais pas qu'il y avait une armure témarienne. On peut toujours y retourner. Hein. Elle est où celle-là, l'armure témarienne? Parce qu'il me semble que j'ai fait tous les points d'intérêt, mais. Et crafter le set de la vipère. C'est trop compliqué pour moi là. Bon allez, je m'en fous, j'achète ça. Si j'ai plus un rond, j'utiliserai un amras.exe. Le marchand que tu sauves du griffon, il a une armure? Ah bon. On peut aller voir sinon. Ce que je veux par contre... C'est qui me répare tout? Putain, ça neuf truc quoi. Adieu. Épée raviole. Ah, j'ai encore une quête parce que j'ai parlé au mec. Alors attends, inventaire. Tac. Ok, là j'ai une épée qui est un peu meilleure. J'ai deux épées en argent comme ça maintenant. Tu voulais savoir combien d'heures de jeu j'ai. Alors là, ça doit se voir quelque part, je ne sais plus où. Il me semble que je l'avais vu quelque part. Peut-être... non. Il me semble que je l'avais vu quelque part. Peut-être à l'écran principal, non, je sais pas, je dois avoir 10-15 heures de jeu grosso modo. Pas énorme. Je sais plus du tout. Inventaire et perso, RT, c'est Xbox. Ah bah voilà, c'est ça. 22h, ouais, je pensais que j'avais fait moins. 22h, 17 minutes et 1 seconde. Qu'est-ce qu'on va choper? Ouais, je vais mettre. Et je vais remplacer. Voilà. Oui, qu'est-ce que je veux faire? Oui, ça. On va sauvegarder. Sinon, tu disais d'aller à Blanche Rive? Blanche fleur, j'entends blancherie. Le marchand, il doit être Lime, s'il me semble bien, c'est celui-là qu'on sauve au début. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Lusima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de...
C'est lui qu'on sauve au début? Ouais, je crois. Bienvenue. Ouais, c'est Coupeau-Vol qu'on sauve au début. Voyons ce que vous avez en magasin. Et il a une armure, effectivement. Qui est niveau 50. Ah, elle est pas mal, quoi. Elle est chère. Plus 4, plus 15, ouais, des bottes un peu mieux, mais... Ouais, bon, ça sert plus à rien, quoi. Une selle. Merde. Ouais, mais c'est cher. Ça sert à rien, de toute façon. Non, mais je joue pas au Gwent, donc je m'en fous. Au revoir. Au revoir. Non, mais mon armure est mieux, donc je verrai pour le reste. Pour l'instant, je galère pas trop non plus, quoi. Donc, où qu'on va? Où qu'on va? Non, c'est pas par là. C'est là. Et donc, on va arriver directement ici. Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Gérald tomba sur une vieille amie, Kira Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuit donc sa route avec Kira. Allez, c'est parti. J'ai même pas fait une seule partie de Gwent en fait, je voulais même pas commencer, les jeux de cartes c'est pas ma passion. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Non mais je m'en tape. Non mais cours. On s'en tape des mecs là. Un truc dans le coin là. Je sentais ma manette qui vibrait. Les jeux de cartes c'est pas trop mon truc donc. Ok, déjà ça commence. Des morsures. On va sauvegarder, hein. Sauvegardons. Parfait. N'approchez pas plus près. Voilà. Je sais qui vous envoie. Ouais. Ah ouais, un loup-garou. Ah là là. Je dois pas avoir d'essence contre les loups-garous. Enfin, un tulle contre les loups-garous. Décoction de loup-garou. Ah ah ah. Il me manque un mutagène de loup-garou. Ah non, mais ça c'est pour courir sprinter, non, c'est pas contre les loups-garous ça. Ça c'est une décoction. Mais je dois pas avoir l'autre. Ah ouais, t'es tombé comme ça sur. Au hasard sur. Les forces qui me protègent, elles savent qui vous en est. Attends, on va utiliser ce coin. On va y aller mollo. Non. Approche. Viens là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oula.
Ah, te régénère pas, bâtard. Voilà. Coucou, Chefanier. Reculez. Partez. 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 Qui êtes-vous? La suite d'énergie devrait être puissante. Fuyez. 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 Ok, un point de compétence. On va le mettre là-dedans. Joue le corps à corps. Et ça booste le site d'Igni. Hop, sauvegarde. Ah! Il doit y avoir une grotte un peu au-dessus, apparemment. Voilà. What the fuck, c'est quoi cette ambiance là? Pas mal. Bon, là ça commence à être bien. La flotte est toujours moche, mais. Ah merde, y'a un coffre. Ok, j'ai gagné des trucs, je sais pas trop quoi. Mais on va peut-être continuer un peu. Agre. Allez, émerge! Voilà. Oh, les radars, reste! J'ai gagné quoi là? C'est quoi ça? Oh putain, 63-77 plus 22 dégâts. Ouh, ça sent bon là. Ah putain, ça c'est bon là. Bonne petite épée. Ouais, c'est clair que tu vas, le temps que tu montes côté une carte graphique potable, là, laisse tomber. Hein. Tu peux rester, Rada. Alors, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié au fond de l'eau. Ah, c'est quoi, c'est une algue ça? Ah putain, par contre la maniabilité sous la flotte c'est horrible. Putain. Allez. Putain, mais il apparaît ce bouton. Oh. Et tu veux vraiment acheter une 980 Ti? Le truc à 800 boules là? Parce que bon, un SLI de 970 c'est plus puissant, c'est limite moins cher. Hein. Non, sauvegarde. Bon, ok, là, c'est parti, là. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Pourquoi venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence? Ou me libérer? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui êtes-vous? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué et ont maudit mon fantôme. J'ai jamais entendu parler d'un cercle de druides.
J'erre pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre au gré du vent. Vous devez bien les connaître, non ? Elles sont à chancre, vos vélènes. Elles entendent par les oreilles coupées. Elles font et défont des vies. Elles tirent leur force d'un brouet de chair humaine. Pourquoi vous avez tué ? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher. M'a attaqué. Ceci est ma prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux et ma forêt me protège. Bourreaux ? Les sœurs assassines, elles ont détruit mon corps et convoitent maintenant mon âme, car j'ai osé les défier. Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment ? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Bon, il va encore falloir l'aider, celle-là. De feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Oh là là, j'en sais rien. Chose menace les orphelins. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi. Je vous en prie. Je peux devenir tornade, destrier, lancer au grand galop. Laissez-moi les sauver. Alors là, là j'en sais trop rien. Qu'est-ce que je fais? Non mais t'es moche, je crois pas. Je ne vous crois pas, esprit. Autre personne ne m'y regarde. Levez la main sur moi, c'est s'attirer les foudres de la nature elle-même. Bon bah tant pis pour le dialogue marrant. Mais... Non, non, évite. C'est tout ? C'était bidon ? C'était aussi simple que ça ? Bon, les mutagènes, je pense, pour les revendre. Ouais, bah, je la sentais pas, là, je l'ai tué. Y a rien à grappiller dans le coin ? Ah, mais elle a tué trop de personnes au village, il disait que je sais pas combien de personnes qui étaient mortes. Non, non, je pense que j'ai fait le bon choix, là. Ah, les pecno. Très occupé. Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas ? Ouais, je ne dis la vérité. L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi ? Ton avis. Un esprit avait pris possession du cœur de l'arbre. J'ai détruit le cœur et son hôte maléfique.
Alors, c'était un fantôme. Il va revenir ? Non. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Et le mec, il se fait harakiri. Regarde, je me suis coupé la pine et je te la donne. Ah, j'étais pas loin. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris ? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois ? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Ok, maintenant, on retourne voir les autres. Ah bah direct, on y va. Parfait. Même pas besoin d'aller à pied. Et j'ai reçu des bottes de chasse. Ah ouais. Elles sont moches. En vrai, vous êtes différente. Ah oui, très différente, oui. Eh bien, apporte ça. C'est dégueulasse. Ouais, je veux bouillave, mais pas celle-là. Ne cherche plus jamais à nous trahir. Tu as bien travaillé, c'est pourquoi nous te pardonnons cette petite transgression. Ces enfants sont tendres et doux. Mais pour le moment, nous devons parler au sorceleur. La femme qui s'occupe des enfants. Elle est ici par choix. Elle a une dette envers nous. Elle est folle. Elle connaissait les termes de notre pacte quand elle l'a accepté. Nous l'avons aidée. Elle a promis de nous servir. Désormais, elle est nôtre. Elle porte notre marque. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Bon, on va d'abord savoir un peu plus sur elle. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Ah, t'aurais pas dû. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace. Tu nous désires ? Pas vraiment, non. Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta selle jusqu'à la dernière goutte. Ah oui. Oh, enchevêtre ta destinée à la mienne. T'as chaudasse, quoi. Je peux te procurer un plaisir mortel. Non, merci, je ne suis pas venu pour ça. Vous êtes servi de moi pour apaiser la colline de l'Anne. Rien n'est gratuit en ce bas monde. As-tu détruit la source du mal ? La paix est-elle revenue à notre domaine ? Oui. Quelle chance d'avoir trouvé un chevalier si brûle, si fort. Bon, allez. Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre ?
Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Heureusement, elle n'a pas pu se tromper, mon chevalier. Tu as débarrassé le monde d'un grand mal. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifié, épuisé. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est devenue la même, alors. Elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué ? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs quelle fut la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'enjambe brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Salut, sœur, ne perdons pas le temps. La table est mise. Bon, celle-là, je peux pas la choper, c'est ma fille, celle-là. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entier. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. S'il te plaît, tu as vu parfait pour un bouillon. Oh, oui. J'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Bon, ça fait pas trop avancer le bordel. Oh putain. Oh. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Oh là là, hop hop. Ah oui, il faut juste que je m'échappe en fait. Heureusement, Siri a speed. Hein. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal.
sans s'emporter dans l'île de vigueur et la foule de ma jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà. Bon, je peux les tuer, celle-là, maintenant. Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Qu'est-ce que je fais? Allez, bouillave. J'ai voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra. Oh, je vais nuit. Ouais. Je suis ouf. Je vais leur faire la peau plus tard. Bon, en fait, la suite de l'histoire de Ciri, je la connais un peu parce que j'ai déjà parlé au Baron Sanglant qui a raconté la suite de l'histoire. En fait, c'est comment Ciri après arrive au château. Donc ça, je pense que c'est juste un peu avant. Alors maintenant, il est 22h50 et je vais juste faire un truc puisque Kaira m'avait dit, tu reviens me voir une fois que tu es allé les voir. Donc, on va parler à Kaira Metz. Il y a un truc qui est là. Et on va essayer de choper. Mais de choper une bonasse cette fois. On va voir ce qu'elle a à me dire. Parce qu'elle a dit, reviens me voir et ça sera pas pour prendre le café. Alors, elle habite où déjà celle-là? À part là. On va aller à Aubrey. On va quand même sauvegarder. Ah. Ouais, Kaira de Metz. Qui habite dans le coin. J'aurais peut-être dû prendre le cheval. Non, c'est bon, elle habite juste là. Donc on va lui parler et je pense qu'après on arrêtera le stream là. Il commence à être tard. Serra, à quoi lui servait-il? Foutu vermine. Il aurait mieux valu les gaver de poison ou les écraser. Qui c'est celui-là? Kaira, qu'est-ce que tu fais? Geralt, bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Mais que nenni. Rapporte-moi des rats, qu'il a dit le mage. Des rats en bonne santé, pas à moitié voulottés par le chat. C'est la lampe de l'elfe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rats? N'est rien, je t'expliquerai plus tard. Dis-moi plutôt ce qui me vaut le plaisir de ta visite. Je veux te baiser. Alors, comment j'espère conclure? À quoi elle sert cette lampe? Tu viens de le voir, à communiquer avec les âmes perdues. Je ne savais pas que ce genre de magie t'intéressait. Rien de mal à cela. Et pourquoi l'elfe t'avait-il promis cette lampe? C'était un échange. Il avait besoin d'une magie puissante, et il a tout de suite vu que je n'étais pas une simple rebouteuse. Je lui ai préparé une potion, pour retarder la dégénérescence des tissus et combattre la perte de mémoire, je crois. C'était pour lui, la potion? Il ne me l'a pas dit. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais me demander quelque chose, je crois. En effet, et c'est toujours d'actualité. L'île maudite sur le lac de Windhammer. Mais tu veux pas faire un truc avant? Les paysans du coin sont intarissables sur les spectres qui la hantent. Ils affirment que personne n'en est jamais revenu. D'où provient cette malédiction?
Ça, je l'ignore. Je dois briser ce sort, mais je n'ai pas réussi à en identifier la source. Tu sais sûrement quelque chose. Presque rien. Le maléfice est lié à la tour où le seigneur local Serad s'est réfugié lors de l'invasion de Nilfgaard. Selon les villageois, des paysans aux abois auraient rallié l'île de Fic pour y mendier de quoi manger, et y seraient morts. Une vraie boucherie. Alors, tu veux bien m'aider à... Putain, je voulais baiser, moi. Toi qui es si fort dans ce domaine. Pourquoi tant d'insistance? Ce sont les paysans qui insistent. L'île, mamzelle, vous cassez le charme. Vous êtes une gentille sorcière drôlement calée. Ça me fatigue. Kera, la protectrice des petites gens. Une sorcière drôlement calée comme toi. Si j'échoue à lever la malédiction, ils en concluront que je ne suis pas si calée que ça. Alors à quoi bon me protéger des chasseurs de sorcières et risquer l'échafaud? Ce que l'on pense de toi, ton image, voilà tout ce qui compte à tes yeux. Le problème, c'est... Écoute, je n'ai pas fui jusque dans ce trou pour me faire prendre parce qu'une bande de paysans crottés se lasse de mes talents. Allez, je t'aide. Eh bien, je vais t'aider. Je savais que tu ne pourrais pas résister. Il va falloir voguer jusqu'à l'île de Fic. Très bien. Et ensuite? Ensuite, tu devras entrer en contact avec les esprits qui rôdent sur l'île. Oh là là. J'ignore par quel biais, mais ils pourraient nous permettre de comprendre l'origine de la malédiction. Tu les crois disposés à tailler une bavette? Bien sûr, à condition d'emporter ma lampe magique. En gage de gratitude, tu pourras ensuite la garder. Nul doute que tu la trouveras très utile. Ouais, pourquoi tu viens pas avec moi? Tu ne veux pas venir avec moi? Non. J'ai essayé de me rendre sur l'île de Fic. La magie y est si forte que j'ai cru voir ma tête exploser. C'est gentil à toi de m'y envoyer. J'ai fait l'expérience d'une violente hémorragie nasale. Au pire, tu sentiras ton médaillon s'agiter. À Arethusa, j'ai été formé à la détection des pulsations magiques les plus infimes. J'ai eu l'impression qu'on me fouettait les hanches au fléau à blé. C'est drôle, j'aurais cru que c'était ton péché mignon. Prends mon bateau. Je l'ai laissé sur la berge près du village. Il devrait convenir. À condition qu'il ne soit pas rongé par l'humidité qui dévore tout dans le coin. Comment fonctionne cette lampe? Il suffit de la frotter ou faut-il faire usage de magie? Inutile de la frotter. Approche-la simplement des ossements ou des murmures. Je dois te prévenir. L'expérience ne sera pas forcément très agréable. Je m'en doute. Je te raconterai en t'épargnant peut-être les détails les plus atroces. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais te confier un Xenovox. Cet engin nous permettra de communiquer à distance. Ouais. Tu me diras ce que tu vois et je t'indiquerai la marche à suivre. Bon, j'ai pas pécho. Xenovox? Jamais entendu parler. C'est un genre de mégascope en bien plus compact. Voilà comme une boîte magique qui parle. C'est difficile à fabriquer? Très. D'où leur extrême rareté. Allez, accélère. Donc, une chance que le Xenovox devienne le dernier artefact. Pas la moindre. Autre chose à savoir avant que j'y aille? Non, ce sera tout. Allez, dépêche-toi un peu. Il me tarde de savoir ce que tu vas découvrir sur l'île de Fic. Pense à passer me voir pour tout me raconter. Et... Geralt? Oui. Merci. Bon, un peu déçu sur ce coup-là. Lui, accès rapide. Ouais, d'accord. Il peut y avoir accès comme ça. Bon, on verra plus tard. Où quelle est la sortie? C'est où la porte? Putain, si vache, je sais même pas par où on sort. Ah si, c'est là, putain, je suis aveugle. Je suis aveugle.
Bon bah je vais m'arrêter là. Ça fait 2 heures de stream, c'est parfait. Hein. Il est quasiment 23 heures. Donc voilà, bon bah désolé, j'ai pas réussi à choper Kairametz. Mais bon, vous avez vu quand même une belle quête principale qui était bien sympathique quand même, avec une bonne ambiance. Et c'était très sympathique. Bonne petite partie. Donc merci d'être venu. Merci d'avoir assisté à ce stream pour mon premier jour de tolérance en plus. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas trop. Je vais essayer quand même de faire un stream Star Citizen, c'est sûr. Faut que je me trouve la motivation, mais ils ont toujours pas sorti le module FPS. Ils sont vraiment à la bourre, donc. Ah non, mais de toute façon, au pire, dans 15 jours, je ferai un stream. Attends, c'est quand? Non, c'est le 20. Donc, au pire, dans 3 semaines, je ferai un stream pour la sortie de Batman Arkham Knight. Et en entre-temps, je referai un stream de Witcher 3 ou je ferai un stream Star Citizen, je pense. Je verrai entre les deux. Donc, je vous dis bonne nuit, merci d'être venu et à la prochaine. Allez, salut !